my last filtration ever. Voilà, ça c'est de l'eau déminéralisée. L'autre jour, je me suis trompé, j'ai pris ça pour... J'ai pris le bidon d'eau déminéralisée pour alimenter la cuisine. C'était de l'eau un peu chère. Non mais donc ce lac, tu t'as aimé ou pas? Super. Ouais. Non, surtout le début, là, tout le Groenland, je connaissais pas du tout. C'est vraiment magnifique, les glaces, c'est sauvage. C'est complètement un environnement humain aussi, très en évolution évidemment, mais très différent de ce à quoi on est habitué aussi. Ouais, puis la glace, c'est somptueux, quoi. C'est vraiment magnifique. Après, bon, ça a été de la traversée, quoi. Hein. Traversée dans des conditions assez rudes par moment, mais traversée, quoi. Et puis là, Terre-Neuve, j'espère en voir un peu plus, mais comme on a été bloqué encore par le mauvais temps, la pluie et un vent très fort, on n'a pas pu voir grand-chose, quoi. Mais bon, au moins, on est Terre-Neuve, hein, on a mis les pieds sur Terre-Neuve. La glace, tu avais jamais vu comme ça? J'avais jamais vu la glace, non. Enfin, de la glace en France, mais j'avais jamais été au pôle Nord ou en Antarctique. Ouais, donc si tu gardes par exemple un lieu dans cette étape que tu as faite entre Iloulissat et Québec, c'est la baie Disco sûrement? Ah ouais, la baie Disco et Iloulissat, oui, ça c'était vraiment fabuleux. Ouais.